watukufu ikaonga mbili watukufu ikaonga mbili ngao haruma sheni bode komo. Assalamu alaikum. Léon Gardjiunda au Haruma et Stade à Chemino dans le 14e arrondissement de Marseille. Léon Douana Nyasi, Wana Hatuika au Warenge, Antmaoka et Anguarengao, et Warupreneo et Antremayao, Haukanga Mjoka, une équipe head diaspora à Marseille, une équipe head diaspora à Komolika au Gardjiunda au Haruma au Mjo Marseille. Léon Rihundu Bahati, Ngasinda Sinao, au Parisa et ma dirigeant. Il a un doigt qui est rendu depuis 30 ans. Je suis miraro. Avant que je ne sois pas là, je suis 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 là, je na mwananyasi choi bae ye mgazija sampusa woi mwananyasi ye pora shira kikao hapo haru mji wa shamli kao nga mjoka shamli unu mji kao mji wa istuari hako ni mji kao kana kipi kao hakika ekipu yu nde kipu ya kaurelo leonga sina e mwananyasi Omar ikao Omar woi ingarjo hamba inde rasini ya ekipu ya kartala ikao ngeo huu mjini wa Marseille ikao ekipu yu nde mdrezi ngara depuis plus de 10 ans ekipu yu jusqu'à mena kawati problem. Abangenga mwanao emwanyasi kawo inde tete akasi hamba miso jobanjo hakao inde ruwa harmae estadi kawo oi inde hapda dolara mba oi mshariishi kawo ikakubali ya tsovira jao. Donc ngarandisa harmae mwanyasi Shirak. Shirak, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ngarwanao leo ndo mafanya eropizi ya hanyu ya hompira hakanga joka ya o majori pia ya kavakansi leo ya roprene. Inga mrambio ndo mwendini harmae zenongozi. Amadi ile kauze longu zihili zilio kumoringe ndauju ya abu ifolji pange hena vanu kao dojukaya hena machu kao dojuka hura sao wanuwa nji tisoni wambeo kana ekomori hena vanu kao duwalio wa rompir ketino kada ekipu nasionali ya komori ketino kana kipu ya komori kwa rajwa mba kartala paski karamba kartala yo kipu ya komori karamba kartala yo de drapu ya komori yabo hamadi heli wa zeshelezi za yabo wotone majwe ritaya yo ritaya yo kwa kufanya za mtelema zao bandi heli yo kujibijwe saa tibwe sabatu anafu garandi sao zi mtelema leo jelu kanabu wasara kwa jaji ingo njwa mirungo dinu wa kumore hauke kipuinu kwe ringi yosha kejashinda kejashinda ya fushiando haruma wa kumore Eben zinongozi ngizoje. Hauke kipunu ngiyo depuis 30 ans. Shaa wa komori kwa tujua. Amade heli wa hamba waka turnuwa vano. E turnuwa hiyo ena turnuwa pozo wa Marseille. Za ya ansi. Kartalange tukende renge. Ena turnuwa pozo wa kartalange tukende renge. Amamjo kamba juzi waka pozo wa kani. E kartalange renge. Irenge meru jueri. Irenge meru biteri. Irenge meru coach. Irenge zinongozi ntipi. Yabo Tanzania mdeho kana. Ekipu hatu yunu, ekipu nationali hatu, yohu jayangali ya majweri vanyo yukiru wa renge. Yukiru wa mbukana yuduanze jweri woi. Jelo kwa warengo majweri maili, jelo kwa uwasahe na mrugu tapili wa jek arme kartala. Haukana antronero hatu ngufondendo, ngupreparendo. Antronero hatu ngupreparendo ya majweri. Yede mana kahena mrugu tapili yopia ya jek arme kartala. Voilà. Abdallah, on sait quand même que tu es parmi le staff technique qui gère cette équipe. Donc aujourd'hui, la chaîne libre de Comores est là. Des millions de personnes qui nous regardent et qui vous regardent. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'on a besoin de la communauté, on a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Mm-hmm. Et nous, les Comoriens, on n'est pas estimés ici en France. Mm-hmm. Nous, aujourd'hui, notre combat, c'est aller se battre pour notre population, mm-hmm. pour la génération qui arrive derrière. Moi, c'est mon combat à moi. C'est pour ça qu'on essaie de monter un vrai projet, mais un vrai projet qui tient la route pour nos jeunes. Mm-hmm. Moi, pour moi, il faut que tout le monde a sa chance. Mm-hmm. Tout le monde a sa chance à Cartala. Mm-hmm. Il faut que tout le monde vienne nous aider. Mm-hmm. La porte est grande et verte. On a besoin de tous les Comoriens de Marseille qui viennent avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire que cette équipe soit portée par la communauté? Qu'est-ce qu'on peut faire?
déjà essayer de trouver des arrangements tous, essayer de travailler déjà dans une bonne ambiance, retrouver, recréer un groupe famille, parce qu'on a besoin de ça. Le jour d'aujourd'hui, le club de Cartala, c'est une famille avant tout, c'est une famille comorienne, on a besoin de tout le monde, il faut que tout le monde soit avec nous. Donc vous voyez bien qu'Amouk Abdallah, il est d'origine morée, mais vous savez, il est plus avec des Comoriens. Donc vous voyez bien comment que cette équipe-là, il n'y a pas de différence. Donc je vais me retourner un peu vers le coach Abdallah, lequel Saïd, que je connais depuis pas mal d'années aussi, qui c'est un très grand joueur qui a joué dans la sélection comorienne au départ de la sélection. Aujourd'hui, il a pris cette équipe en main, justement pour apporter un peu son expérience. Qu'est-ce que tu veux dire un peu aux Comoriens qui nous regardent? Parce qu'aujourd'hui, c'est Chaîne Libre qui est venu ici au stade en direct. Déjà, salam alaikum, déjà avant tout. Bonsoir à toute la communauté comorienne. Je suis venu ici, moi, parce que j'ai fait mes débuts. Toute ma vie, j'ai joué longtemps au ballon. J'ai joué dans des grandes équipes en tant que jeune. Et quand j'ai commencé mes débuts de senior, j'ai commencé avec Omar, à l'époque de Centre-Ville. C'était une équipe comorienne, où je remercie tous les anciens de Centre-Ville. Et après, j'ai fait mon parcours, et au jour d'aujourd'hui, voilà, à mes 37 ans, je viens donner un coup de main. C'est une obligation. C'est une obligation pour donner un peu de la force aux Comoriens. Le savoir, comment intégrer un groupe, avancer, donner une structure, comment ça se passe bien dans le foot. Et voilà, c'est une très belle expérience que j'ai et que je vis, parce qu'il n'y a que les anciens, et comme toi, tu m'as connu en tant que, gamin, et toute ma famille, tu as connu ma mère, ma famille. Et voilà, et j'espère que vous allez donner un soutien, que ce soit aux Comores, à la sélection comorienne, que des fois il y a des difficultés. Mais moi je m'entraîne souvent avec vous ici, dans ce stade, oui. Et je découvre quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent. Alors qu'est-ce que vous voulez dire un peu à la sélection comorienne quand même, qui n'arrive pas justement à oser à piocher dans ces jeunes-là? Déjà, il faut dire la vérité. Déjà, il faudrait regarder dans l'ensemble global. Il ne faut pas regarder dans les grandes sélections, que ça soit parce qu'ils sont en centre de formation. Non, mais récemment, on a vu des jeunes qui viennent des Comores et qui sont allés jouer à Marsigue. On pouvait prendre aussi des jeunes aussi pour les amener. On peut prendre des jeunes comoriens et leur donner leur message, chance. Alors, quel message vous voulez passer à la fédération comorienne? Parce que l'objectif, c'est que ces jeunes-là puissent s'y retrouver aussi dans l'équipe nationale. Aussi. Moi, je dis, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait donner la chance à tout le monde. Dans la vie, tout le monde a une chance. C'est comme dans la vie, on va tous mourir. Il faudrait donner de la chance à tout le monde, épanouir tout le monde, et je pense qu'en donnant cette chance à tout le monde, ben je pense qu'on va aller plus loin tous ensemble. Moi, au jour d'aujourd'hui, que ça soit petit, moyen, grand, le respect, il va avec tout le monde. Déjà, c'est un beau truc. Il faut avoir aussi la communication, parce que nous aussi, un peu les Comoriens, on est durs. Il faut avoir aussi une communication. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire au niveau de la communauté comorienne de Marseille, parce que je suis un peu absent dans tout ça. Comment ça se fait, ça? On a besoin vraiment d'eux, on a besoin d'être solidaires. Que tout le monde se réveille. Parce que c'est la première fois qu'une télévision se déplace pour venir vous interviewer. Moi, pour moi, je pense qu'on est énorme ici à Marseille en tant que Comoriens, à Paris, que ce soit à Dunkerque un peu. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit soudés, que ce soit comme les Algériens, les Marocains. Et je pense que quand on sera tous soudés et que personne ne va penser à l'argent, je pense qu'on sera plus grand. Je pense qu'on sera énormément plus grand. Et je pense que c'est ce qui se passe en sélection. Je fais un hommage à Kassim Abdallah, avec qui j'ai joué, à Jamel Bakar, avec qui j'ai grandi. Voilà, je pense que en étant soudé, c'est comme ça qu'on va y arriver. Comme quand on fait des machoulis, on est soudé. Ou comme quand on fait des hadas, on est soudé. Mais voilà. Côté mentalité, comment vous trouvez un peu la mentalité de nos jeunes? Parce qu'il faut quand même Il y a certains jeunes au jour d'aujourd'hui qui sont indisciplinés, mais il y a certains qui sont disciplinés. Voilà. On change d'époque, on change de génération. C'est comme au Comore, on change de génération. Et je pense que c'est l'éducation. L'éducation fait énormément, je pense. Abdallah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette interview-là? La seule chose que j'ai déjà rajouté, c'est que les gars, on a besoin de tout le monde. D'accord.
On a besoin de tout le monde, du président, du ministre, de tout le monde, de toutes les associations. Pour montrer que nous, voilà. Les Comoriens, on sait faire. Pas, on suit, on sait faire. Parce qu'à l'heure actuelle, nous, on suit. Tous les grands Comoriens, ils sont dans les clubs de Wahindi ou des Blancs. Là, au jour d'aujourd'hui, nous, Comoriens, en étant jeunes, parce qu'on est encore jeunes, on s'est réveillé pour créer une association comorienne pour montrer que nous aussi on sait faire. Et on peut faire mieux qu'eux parce qu'ici à Marseille on est beaucoup. On est vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Il faut vraiment qu'on se réveille tous ensemble. Mais vraiment tous ensemble. Tous. Et vous verrez que tout le monde va vous respecter. Il y a Chemino, on Marseille, dans le 14e arrondissement de Marseille. Donc, on a un majeur de Saonivano. On a un majeur de Saonivano. On a un majeur de Saonivano. Donc, on a un majeur de Saonivano. On a un majeur Mio cavalo mio na kaka mimi disciplinao yo yo example ho shina ndo renge bobo solao engora mio jikozi wenge parmi ne masampa nga waruma kipuni mwana mwana shangu solao nga waruma shelibo de komod engonzo mbi wandu ndunga ndini za husu ye kipu ya cartel ka ungi ho Marseille. Nana salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hada ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mtu akanga mimi mambo hii kipi ya kartala. Shai message na kwanza ni vyes kwa ndani vyesho wana mekao kaud walio huko Marseille. Surtout wana nyaswa Comore si ya kipi hapo ya kartala ibale sembe la Comore zote hii. Shau mimi kaud lo nyo yimura kwa Comore ngal hutaji yao imagine magasi. Wajiwa asidia ikipi ya Comore njijende la usoni. Sikunga sina bizu hapo kwa kupia. Zimu tawo inu. Mimi develop wa hatu sante pia unujar julani shanga we objective ya huwa na shiwatu kaudu wa hiyao joki rundesi ya siza huwa wa hundwe ishasi ya huwa kia magu wana si wa jeni na itranji wa kaudu wa kwa sawa evolini ni mesaji na kwanza niveshe huwa na nyasi nani mebani hatu kaudu wa dormu wa yi ya faransa usurtudu umji wa Marseille. Salamu alaikum abunge kwezi watu kufika umka lunga eshe ni vode komori ngaru mashtawe marhaba vatu ya diwaza mudiriji wa hatu sede hasani vatu ya diwaza Ahmed Hasani ikawo wando wa nani mwana nyasi papa harumu mji wa mbeni ikawo ndo wa majurnalisti wa hatu kaungwa wa haruma mji wa pari biru wa fereshe ne mashulika wa fanyishi harumu mji wa banambwani abunge kwezi nyondu kawo mka lunga eshe ni vode komori leori kawo oblige rijeva nurjero nembabi emadwamana wa ekipu ya mpira ya kartali kawo ndi ekipu ya diaspora ya Marseille ikawo nga miparmi ni harumu ekipu ino waka heni fomonte ni mfumbili ni mardi ni jeudi nga mvanda minao abunge kwezi ngari mboshani marahaba hali nchipia haukanga mwenao nga sema nanyasi soi maori kawo iparo ben ben yalo ui. Dis-nous un peu ce que tu en penses de cette vidéo, parce que tout le monde a parlé, tu es un dirigeant. Oui. Qu'est-ce que tu en penses un peu de cette équipe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle se développe? Mais écoutez, pour qu'elle se développe déjà, il faut démarquer ça, déjà. Et après, c'est sûr qu'il faut trouver des bons jeunes, des jeunes qui ont vraiment envie de faire du sport, de venir sur le ballon. Ouais, donc forcément, on va essayer de faire le nécessaire cette année. Sauf que cette année, on a décidé vraiment de monter une très grosse équipe pour tous les Comores. Et puis en espérant que ça aille bien, Inch'Allah. Donc voilà, on espère le soutien donc, de tout le monde. Tout ce qui veulent, merci Ben. Voilà, alors, tous ceux qui veulent, venir, veulent faire venir les jeunes. De moins de, c'est ça, moins de 17 ans, c'est ça. Hein. Mais parlez. Alors de 6 à 35 ans, vous pouvez venir ici au stade Chemino, dans le 14e arrondissement de Marseille. Les dirigeants sont là, ils pourront vous recevoir, amener vos jeunes, amener vos enfants, qu'ils ont 10 ans, qu'ils ont 14 ans, qu'ils ont 13 ans, qu'ils ont 12 ans, on prend tout. Donc on vous remercie beaucoup, Inch'Allah, abongi abokwezi, ni onukam kadunga, enchenibo de komor, garimbo shalimarhaba, hanyutipia.